Bonjour et bienvenue sur ma chaîne d'inspiration YouTube. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une attitude extrêmement néfaste qui peut réduire à néant tous vos espoirs, tous vos rêves, qui peut totalement vous faire perdre confiance en vous, en vos capacités, qui peut conduire à une forte, très forte dévalorisation et finalement vous amener à vivre des échecs, de nombreux échecs, à ne pas atteindre vos objectifs, donc d'aller d'échec en échec et de vous réduire à une vie finalement extrêmement minimaliste, dans le sens où par une forme de fatalité, vous allez en conclure que votre vie ne peut être autrement que celle qu'elle est aujourd'hui, qu'elle ne peut pas changer, qu'elle ne peut pas évoluer, parce que finalement vous ne valez pas grand-chose. Alors, quelle est cette mauvaise attitude qui peut vous conduire à vivre cela et avoir de tels résultats, de tels horribles résultats, parce qu'en fait c'est catastrophique de penser que finalement dans notre vie on pourrait ne rien réussir et ne pas avancer dans la vie et tendre vers nos rêves et à terme atteindre nos rêves. Bien, cette mauvaise attitude, c'est le fait de toujours se comparer. De se comparer aux autres, de se comparer à des standards. Et ça, c'est dramatique parce que le fait de se comparer aux autres, à d'autres situations, à d'autres personnes ou à certains standards, que ce soit dans le monde professionnel, financier, de la beauté, des relations, etc., eh bien, ça conduit systématiquement à une forte dévalorisation, parce que le fait de se comparer, bien sûr, fait que on a le sentiment, on génère le sentiment, eh bien, que à terme, on ne vaut pas grand-chose, que les autres sont meilleurs que nous et que nous, on ne vaut rien. À partir du moment où nous nous dévalorisons ainsi, eh bien, ça conduit directement à l'échec, parce que avec ce sentiment de dévalorisation, lorsqu'on va commencer à entreprendre les choses, eh bien, on sera découragé avant même d'avoir commencé, en fait. On ne pourra pas aller très loin et puis on n'osera plus à terme faire quoi que ce soit. On va donc, comme je le disais, de manière fataliste se réduire à une vie minimaliste, c'est-à-dire on va se contenter de peu, on va se contenter de ce que l'on peut faire. On va finalement penser qu'on ne vaut pas plus que cela et que finalement, ben voilà, c'est normal d'avoir une vie monotone, une vie passable, une vie où rien ne fonctionne pour nous. Mais la cause, une des causes en tout cas ici fondamentale, c'est le fait que à la base, nous n'arrêtons pas de nous comparer. Et ça, c'est terrible. C'est terrible et en plus, c'est entretenu par les médias. Notamment par les médias, bien sûr, visuels, c'est-à-dire la télévision et encore plus par Internet. Aujourd'hui, ce qui est très dangereux sur Internet, ce sont tous les médias sociaux, Facebook, Pinterest, etc. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Même YouTube, tous ces médias-là doivent être utilisés avec parcimonie et avec discernement. Parce que sinon, c'est extrêmement dangereux, en particulier Facebook. Je me sers personnellement de Facebook, mais de manière, je dirais, modérée, tranquille. Et je ne surfe pas des heures par jour sur Facebook parce que c'est extrêmement dangereux. Et je vous invite à faire la même chose. Vous pouvez aller sur Facebook tous les 2-3 jours, ça suffit largement. Et ce n'est pas la peine de passer des heures. Parce qu'à partir du moment où vous passez des heures sur Facebook, qu'est-ce qui se passe? Vous tombez donc sur différents partages d'expériences, sur des publicités, sur des personnes qui vous disent qu'elles ont fait ci, qu'elles ont fait ça, sur des réussites dans tel domaine, sur des standards en termes de beauté, de réussite, de finances, de relations, etc. Et vous, vous dites, mais qui suis-je moi? J'ai pas fait tout ça, j'ai pas réussi tout ça, j'ai pas beaucoup d'argent, ou j'ai pas telle réussite professionnelle, ou donc je suis quoi moi? Je suis rien. Et cela ne fait qu'accroître votre sentiment de dévalorisation. Et ce qui est fou, c'est que il y a des personnes comme cela qui passent des heures sur Internet
ou devant la télévision, dont c'est très très bien pour se dévaloriser, tous ces médias-là, et puis qui continuent à le faire, qui n'ont pas conscience, c'est pour ça là aussi que je voulais faire cette vidéo, qui n'ont pas conscience en fait qu'elles n'arrêtent pas de se comparer et du coup de se dévaloriser. Et du coup, plus elles font ça, plus leur sentiment d'estime personnelle diminue, décroît, de semaine en semaine, de mois en mois. Et à terme, elles n'ont plus du tout confiance en elles. Et du coup, elles sont totalement déprimées, démoralisées. Elles pensent que de toute façon, ça ne sert à rien d'entreprendre ceci ou d'entreprendre cela. Parce que de toute façon, elles ne pourront pas le faire, elles ne pourront pas réussir. Puisqu'elles pensent consciemment et inconsciemment qu'elles ne sont pas grand-chose, qu'elles ne valent pas grand-chose. Tout cela parce qu'à la base, elles se comparent. Et donc, à terme, c'est de la déprime et c'est une résignation. Et comme je disais tout à l'heure, on se résigne à une vie finalement passable, alors que chaque être humain a des capacités, chaque être humain a une vraie valeur. Et si vous prenez conscience de votre valeur, alors vous pouvez vraiment développer votre vie et faire de votre vie une merveilleuse vie. Et c'est là où je veux en venir aujourd'hui, vous allez me dire. Comment sortir de là? Eh bien, comment sortir de là? Deux étapes. Première étape, cesser de passer des heures sur des médias, sur ces médias-là. Arrêtez, 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 stop. Vous êtes en train de vous détruire en passant des heures sur ces médias-là. Ici, trop, c'est trop. C'est nocif. C'est vraiment nocif pour votre santé mentale. Donc, il faut arrêter. Ça, c'est, il faut vraiment faire même une diète. Carrément, pendant une semaine, deux semaines, plusieurs semaines, il faut vraiment vous sevrer parce qu'à un moment donné, ça devient une drogue. C'est ça qui est terrible, c'est que ces médias-là deviennent des drogues. Les gens ne peuvent plus s'en passer. C'est sur le téléphone, c'est sur l'ordinateur, c'est sur la tablette, c'est partout. Ils s'en passent plus. Ils sont dépendants de ça. Et ils voient les autres avancer, apparemment, parce que c'est que du virtuel. Est-ce que ce qui est dit et montré, c'est réel? Parfois oui, parfois non. Donc, ils se réfèrent à ça et en se référant à ça, eux, voilà, c'est comme une drogue, voilà, c'est comme les journaux people, on y va tous les jours, on voit des personnes qui, a priori, réussissent dans tel ou tel domaine, a priori, parce qu'il y a, encore une fois, je dis, c'est du virtuel, il y a de tout. Et qu'est-ce qu'on fait? On se compare. La comparaison, elle est, je dirais, spontanée, elle est naturelle. On se compare et du coup, on pense que nous, on ne vaut rien. Donc, mettez-vous en diète médiatique et puis par la suite, allez-y doucement. Arrêtez de surfer, de passer des heures sur ces médias-là et cessez définitivement de vous comparer. Et pour cesser de vous comparer, la deuxième étape, c'est de prendre conscience de votre valeur. C'est ce que j'enseigne dans mes programmes sur l'estime de soi. Comment prendre conscience de votre valeur? Prenez conscience tout simplement que vous avez autant de qualités, de compétences, de réussites que les autres. Vous devez donc vous recentrer sur votre propre valeur, c'est-à-dire sur ce qui fait votre valeur. Qu'est-ce qui fait votre valeur? Vos valeurs. Qu'est-ce qui fait votre valeur? Vos qualités. Qu'est-ce qui fait votre valeur? Vos compétences, vos savoir-faire, vos talents, tout ce que vous savez faire, tout ce que vous avez réussi dans votre vie, tout ce qui a été bien dans votre vie. Tout ça fait votre valeur. Vous devez vous centrer sur le verre à moitié plein de votre vie, sur ce qui est bien dans votre vie, sur ce qui est bien en vous. Et à ce moment, vous allez vous concentrer sur votre valeur, vous allez grandir de nouveau, vous allez grandir en estime personnelle. Vous allez de nouveau être bien avec vous. Avoir conscience de votre valeur, c'est retrouver de la confiance, c'est se dire, ok, ce sentiment de valeur personnelle va vous donner de la confiance personnelle. Et à partir de là, vous allez retrouver de l'énergie pour passer à l'action, pour avancer dans votre vie et atteindre vos objectifs, tout simplement. Tout simplement. Donc, et puis vous ne vous comparerez plus. Hein, vous cesserez totalement de vous comparer, étant centré sur votre propre valeur,
Ce que font les autres, ce que sont les autres, n'a aucune importance et ne vous concerne pas. L'important, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous dans ce qu'il y a de meilleur en vous. Et en chacun, en chaque être humain, il y a une vraie compétence, il y a une vraie valeur, il y a de vrais talents. Donc, à vous d'aller les chercher. À vous d'aller les chercher, soit seul, soit accompagné. Vous pouvez suivre aussi un de mes programmes. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo si vous voulez suivre un des programmes pour augmenter votre valeur et retrouver la confiance en vous. Néanmoins, faites ce cheminement-là. Cessez donc, mettez-vous en diète médiatique pour arrêter de vous comparer aux autres voisins à telle et telle situation. Recentrez-vous sur vous, sur votre propre valeur, pour enfin retrouver de la confiance et aller de l'avant. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Voilà, si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime, merci, partagez-la. Merci aussi de me laisser en dessous de cette vidéo, eh bien, vos commentaires par rapport à cette vidéo et ce que vous allez faire maintenant pour retrouver de la valeur. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.